Hello tout le monde, c'est Shinigami17 et Alex pour la partie 6 du Let's Play de Shinigold. Je suis de retour. Il était temps, hein. Bon, alors ce que je propose aujourd'hui, c'est que on se fasse l'arène, mais pas tout de suite parce qu'on est obligé d'attendre un petit peu. On va aller se défaire la Team Rocket en compagnie de notre pote Lance. Boum, un coup de Dracolos en pleine gueule, ça fait pas du bien. Hyper vive, allez boum. Par contre, franchement, les graphiques sont pas horriblement beaux parce que... Sur GBA, franchement, voilà quoi. Et loup là, c'est parti, on va attaquer là. Ah putain, je me rappelle, il y a encore des trucs d'alarme et tout. Je tiens à préciser, c'est l'une des parties les plus chiantes de Shinigold avec la tour. C'est un casse-tête, c'est vraiment trop chiant. Ouais, je m'en rappelle, c'est super chiant. Dans Shinigold, ce qui m'emmerde le plus, moi, c'est la tour la grotte de Lugia et ça. Moi, c'est justement la tour là. La tour, la deuxième partie quand il faut aller sauver le président là. Ça me saoule quand tu dois jouer avec les interrupteurs pour te frayer un chemin, c'est super chiant. Il a fallu que je tombe directement sur un Pokémon Psy, bien entendu. L'équipe de boss. Putain de bâtard avec, de merde. Avec Sylve Crétin. Mais il fait hypnose. Bâtard. Il a besoin de se faire ninja, tu vois. Disable. On va ninja. Woke up. Ah tu vois, j'adore ce Pokémon. Alors est-ce que je vais le axer ou pas? Ah bah j'ai pas l'occasion d'essayer. Oh mais tu vois, il y a des parties où j'arrête pas de axer, n'empêche, c'est un truc de malade. Ah bah en même temps, je vois pas les attaques de tes Pokémon, mais à mon avis si il y a une petite dose de axe, par exemple doit avoir cage éclair un petit peu, je pense. Ouais, il l'a toujours, ouais. Ah voilà. Allez boum. Ah mais tu vas voir, c'est depuis le temps que tu n'as pas fait l'épisode avec moi, ça a changé hein, dans ma team. Ah bah là maintenant, c'est une équipe de Bose. C'est une équipe de Shinigami quoi. Shinigami. Allez, et le mec de la gonzesse vient répliquer maintenant. Jesse et Jem. C'est dommage qu'il n'y ait pas Jesse et Jem dedans. Ah c'est dans Pokémon Jaune ça. Mais je crois que si en fait, tu peux les voir dedans. Il me semble que je les avais vus, ouais mais... Moi je m'en rappelle pas en tout cas. Ah c'est peut-être dans Shinigold X alors. Ah je connais pas. Parce que c'est vrai. Ah c'est vrai parce que c'est la version plus compliquée de ça et je crois qu'il y a Jesse et James dedans mais je suis plus sûr. Tiens, en parlant tant que je te tiens là, la Jess Ball, où est-ce qu'on la trouve? La Jess Ball, en fait il faut d'abord avoir fini la ligue. Ensuite tu es dans le bateau, normalement le bateau va faire naufrage et c'est là que normalement on voit Jesse et James. On est dans Shinigold, hein, pas Shinigold X. Hein. Ouais, bah normalement c'est la même chose. Après tu sors du rafio pour aller dans une grotte sous-marine. Et quand tu sors de la grotte, t'arrives dans un vieux temple. Et dedans t'as la GS Ball. Et quand tu te retournes, t'as un Galekid niveau 60. Et il est assez chaud à buter quand même. Galekid ? Galeking. Galeking, on utilise un Pokémon combat alors. Ou un Pokémon seul, donc on lui est. Mais niveau 60, je me rappelle que même avec mon équipe cheatée, j'avais mis 5 minutes à buter. Alors d'habitude, mais toi t'es nul, c'est la différence. Ouais, j'avais pris un parfuré avec balayage, mais bon. Balayage, c'est genre l'attaque qui pue du cul par excellence. Low kick. Attention, Cinder. On va cramer un scientifique. Ouais, attention. Einstein va sentir le passé. Oh putain, allez. Magnémite, c'est toujours la même chose, hein, ceux-là. C'est des porygons ou des magnétis ou des magnétons ou des. Voltorb. Ouais, ou des conneries du genre. Voltorb. Eh, n'empêche, il a la classe, hein, Cinder. Ouais, il n'empêche, de dos, il est quand même stylé. Ouais, parce que de devant, il a l'air un petit peu constipé, mais de dos, il est pas mal. Magnémite encore. Mais je crois qu'il a 3 magnétis, lui. C'est ce que je disais, franchement, moi je pense que tu vas me dire exactement comme moi. Pokémon est un jeu super bien, franchement c'est un des meilleurs RPG au monde. Mais le gros défaut c'est que c'est répétitif. Je suis 100% d'accord avec toi. Ils peuvent, tu vois, il y a quand même, actuellement il y a quand même 649 Pokémon. Mais t'es obligé de tomber sur des dresseurs qui ont deux fois les mêmes. Voire 5 fois les mêmes parfois. Ouais, on parle des pêcheurs qui ont 5 magiques. Ouais, je suis tombé sur un Ornicologue avec 5 Roucoul quoi. Même pas un Roucoups ni un Piafabec, non, c'est un Croucoul. C'est un Croucoul. Surtout le Pokémon qui ne sert à rien, quoi.
Rougoul. Ah voilà, il a un nom. Je crois que logiquement je suis tranquille maintenant. Ouais. Normalement ça doit plus sonner. Enfin je crois. Ouais. Non, on sait pas faire de la bicyclette, c'est dommage. On va tout défoncer après. Des crash tests. On va se croire dans une simulation de crash test. On va exploser le repère. Attention. Alors. Ouais. Ah enfin. La pression quand même. Ah putain, il était temps, on dit. D'habitude c'est à Doublonville qu'il est venu ce connard. Donc il te détruit. Ça c'était un de mes... Ça c'était le surnom que je lui ai mis, ça. Togetrui. Togetrui, c'était quand même marrant. Togetrui. Trui. Non mais n'empêche, en mode Togeki, c'était vraiment une truie. Togetrui. Togetrui. Non mais t'avais vraiment envie de te... Des fois quand un Togeki se taxait, t'avais vraiment envie de te suicider. La même pour Jirachi. Oh putain, une fois j'ai souvent utilisé le Togiax à la fin, parce que à la fin de ma carrière pokémonienne, j'en avais marre de jouer à la réglo. Je me suis dit, il y en a toujours qui m'ont fait subir, alors maintenant à mon tour. Et putain, il y en a qui ont subi, hein, parce que une fois je l'ai axé, le mec il avait un Karatrok, c'était un éponge P, donc en plus j'avais vraiment eu du mal. Mais je l'avais axé du début à la fin, je crois qu'il avait été trop... Toute l'âme d'air avait passé en flinch. C'est Karatrok qui peut même pas se soigner. ça doit être vraiment terrible. Ça. Ah, c'était un moment épistophal, quoi. C'était trop bon. Mimitos. Elle empêche un aéromite, j'ai envie de m'en faire un. Mais bon, je vais d'abord capturer tous les légendaires avant de commencer à me taper un délire. Parce que j'ai pas énormément de Master Ball. Je crois que j'en ai plus qu'une quarantaine. T'as été assez radin d'ailleurs. Ah, bah tu m'avais dit que ça suffisait, donc j'en ai pas mis beaucoup. Je n'ai pas abusé. En mettre 200 dans l'inventaire, ça aurait fait... Oh, le gros cheat. Ouais. Bon. C'est vrai que les super bonbons, ça fait déjà un peu cheater, mais bon, on s'en fout, on s'amuse un peu. Ta-na-na-na-na-na-na. Super bonbon, on va mettre ça sur le... Golbat, ça fait longtemps que j'en ai pas vu un, tiens. Golbat. Bon. Mais comment ça se fait qu'il soit niveau 18? Moi, je trouve niveau de la taille de la gueule, on va essayer de le faire entrer la flagration. Gorge profonde, on va l'appeler. C'est l'osseur un peu. Putain, mais ça vaut bien la peine de me défier, hein, les filles. Allez. Il y a un deuxième password. Oui, il les a butés. Je veux bien croire qu'il est incrédible, celui-là. Sachant qui c'est. Protéines. Ah, ça se vend cher. Ouais. Et c'est très utile, surtout quand on fait des EV. Hein. Ah, je me rappelle la méthode pour faire les EV. Moi, je prenais toujours ça pour pas trop en faire, parce que sinon, ça me prenait un temps fou. Je me rappelle, c'était vachement utile. Avec le Pokévirus aussi, c'était encore. Ah, le Pokévirus, moi, je l'avais vu par hasard, moi. J'étais content. Ah, mais... Le Pokévirus. Je l'ai eu que dans une seule partie et j'étais vraiment content de l'avoir eu. Smogo. Il est quand même bizarre. Coughing. Tu sais qu'il a l'air de jouir en fait. Le cri c'est trop drôle. Allez, elle moustachu. Boum. Psybim. Oh, il a morflé, hein. Mais je pense vraiment de... Maintenant que j'ai vraiment goûté au let's play Pokémon, je crois que je vais me faire un petit peu... Un paquet de let's play. Franchement, ça vaut la peine. C'est surtout que ça rappelle de bons souvenirs. Ça rappelle de très 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 bons souvenirs, cool. Surtout. Le problème, c'est que je sais pas vraiment le faire sur les versions Game Boy Color, donc. Mais il faudrait aussi que j'apprenne à virer les bandes noires parce que c'est chiant. Mais je crois qu'il faut Sony Vegas pour ça. Et je l'ai Sony Vegas, mais le problème, c'est que je ne sais pas m'en servir. Ah. Ah voilà, ouais. La Gadji. Elle va te donner un mot de passe. Ouais. Allez hop. Ekans. Merde, j'aurais dû garder l'autre. Abo. Abo. Smogo. Abo et Smogo, les Pokémon types de la suivante. Les Pokétypes des losers. Pokétypes
petit poison. Eh, hey, poison, j'aime bien, moi. Gloom, c'est... Non, n'empêche, tous les Gloom, je sais plus qui c'est, moi. Qui ça? Oh, merde. Qui? Oh, tu le chutes, toi. Rock slide. Allez. Mon simulaire, franchement, c'est un Uber. En plus, il est lax, donc c'est... Je crois que c'est une bonne nature pour le style. Mais bon, j'ai quand même pas... Il est quoi? Lax? Ouais, c'est une bonne nature. Relax. Donc il faut un, deux, il faut un deuxième password. Premier mot de passe, cœur à molo. Je crois que c'est lui. Non, c'est plus. Il y a un rat attaque, hein, lui, si je me rappelle bien. Ah, moi, je me rappelle plus. Rat attaque. Dito. En fait, tu te demandes à chaque fois. J'ai rien dit. Quand... Dito. Metam. Low kick. Il aura même pas le temps, toi. Un coup, oh, celle tu un coup de pied dans les couilles. Celle tu yeah. Et bang. Allez boum. Coucou de panier. Ça c'est un des rares Pokémon que je n'ai jamais utilisé en combat ça. Si non non Métamorph. Clara Morgan là. Je suppose que tu sais pourquoi on l'appelle Clara Morgan. Ah non. Pour raison de reproduction. Ah, c'était lui le ratitac, tiens. Énorme. Allez, c'est parti pour le axe. Allez, Raticat. Et le prochain, c'est... Ah non, n'empêche, je compte sur toi pour essayer de me trouver la version orange, là, pour... Oh, mais ça, c'est pas un problème. Comme ça, on... Mais ça dépend. Comme ça, on la découvrirait ensemble. Ça dépend en quelle langue, parce que je crois qu'il y a... Elle existe qu'en espagnol, mais en anglais, je sais pas si on peut la trouver. Attends, je crois que même... Je vais voir dans quelle langue je peux trouver. Il va juste falloir taper... Ceci... Normalement, je crois que tu dois aller dans la chambre du boss pour être sur le troisième mot de passe. Allez hop. Ah franchement moi ça me plairait bien de faire les quelques versions hack du style cette celle-là en plus. Ah bah c'est justement j'ai un site où il y a un paquet de romac et il y en a une où les musiques sont quand même franchement sympas. Ouais mais bon après j'ai peur d'avoir des droits d'auteur moi après ça. Ah mais non mais t'inquiète pas il y en a plein qu'on joue avec ça. Je crois qu'ils ont pas eu le droit d'auteur. Enfin même pas prendre son truc quoi. Bibliothèque. Ah voilà c'est bon j'ai trouvé. Quand on finira l'épisode, je te montrerai, j'ai trouvé un paquet de romac. Parce que j'aimerais bien pouvoir la faire en anglais celle-là. La ville île de Valencia là. Alors bah voilà, j'ai trouvé. Pokémon orange, langue anglais. Oh bah voilà, c'est fait. Ça, c'est génial, ça envoie. Donc chers abonnés, ben si on a la motivation, on découvrira la version romac de l'île de Valencia ensemble. C'est un jeu que je n'ai absolument jamais fait, j'avais commencé mais j'ai vite arrêté. Donc là on pourra vraiment découvrir en même temps. Il y a le jeu en japonais, je crois que c'est l'un des meilleurs romans du monde. Pokémon Alter et Sinus, un jeu avec les constellations, c'est vraiment l'un des meilleurs jeux, je crois. Sinon, bah, petite anecdote, tant que j'y suis pour les versions Pokémon. Sur les Game Boy Advance, je saurais pas la faire parce que de toute façon, même si je savais foutre ça sur émulateur, je ne savais pas le faire sans le Game Boy. En fait, il y avait un bug, on pouvait appeler ça la ville bug. Et je sais pas si vous connaissez, hein. Ah, ouais. Tout près de Cramoisville en fait, il y avait un truc, on devait faire je ne sais plus combien de fois le tour de Safrania en bicyclette, et puis après aller nager sur le bord, et on pouvait choper des Pokémon de niveau 190 et tout ça. Je me rappelle ça, c'était un petit trop. Et une fois, je sais pas du tout ce qui s'est passé, à mon avis, j'avais dû rendre fou le jeu à force de le faire, et après avoir capturé un Ronflex niveau 190, Je suis tombé sur le champion de l'arène de Cramoisville, donc l'autre là, l'autre PD, je sais plus comment il s'appelle maintenant, Auguste. Et en fait, il avait un Caninos niveau 64. Alors, je sais pas comment c'est possible, je sais pas ce qui s'est passé avec le jeu, mais j'ai eu le coup et franchement, ça m'a surpris. C'était quand j'ai vu ça, j'ai dit voilà, qu'est-ce qui m'arrive là. Franchement, c'était un truc de fou. Donc moi, j'ai alors quand on arrivait dans la ville bug, personnellement, là, c'était impossible. Le jeu freezait d'office. Par contre, je sais plus où est le deuxième truc. Bah,
crois que tu l'as battu, non? Faut que t'ailles reparler au l'autre là. Celui qui avait Ratatak. Voilà. Attends. Sinon, là, c'est qu'il y a plein de romans. Il y a un match. Je pense que tu pourrais te faire plaisir là. Eh merde, elle était là. Donc faut que je retourne. Et n'empêche, d'office, j'ai me capturé un électrode. Hein. Ça, c'est mythique. Je l'ai tellement utilisé, ce Pokémon-là. Avec sa vitesse de 416. Le Pokémon le plus rapide du monde. Ouais, je crois que c'est lui. Même Mewtwo n'est pas assez rapide. Non. Voilà. Allez. Et maintenant, voilà. C'est où Jesse et James? Ah ouais, Jesse et Jamie. Et non, plus j'ai tapé un de ces délires. Dans ce truc-là, il y a un couple de dresseurs. C'est Dante et Irina. Et c'est deux pseudos de personnes que je connais. Ça m'a trop fait kiffer. Ouais, Dante, je vois qui c'était, ouais. Mais Irina, non. C'est une championne de Resident Evil 5 avec qui je m'entends très bien. Allez hop, Rock Slide. Sublime, allez hop. Coucou, je panier. Ah bon, Smogo. Ils ont toujours été trop laids, ces Pokémon. Mmh. Ouais, quoique, moi j'aime bien Arbok. Je l'avais jamais utilisé dans les. Moi j'ai déjà utilisé, j'ai même été défoncé par un Arbok, par Raito Kami. Cet enculé, il m'a fait un de ses axes. Il m'a fait un coup critique avec Bazar Poison, il m'a fait un coup critique empoisonnement. Je sais pas comment il a fait. Oh, putain. Ah, c'était atroce, hein. Coup critique. Ah ouais, c'est des trucs à nous, là. Franchement, Choice Bonder, ça c'est sûr. Comme gros tas de merde, là. Gros tas de merde. Eh, arrête, moi j'ai tellement utilisé celui-là aussi. Oh, mais il est sympa. Je l'avais fait en curseur, moi. Il existe, ouais. Il Giovanni. Ah non, c'est pas lui, c'est celui qui, qui se prend pour lui. Mmh. Après, tu dois en buter un deuxième. Lui, il a un cornet, bon, je crois, ouais. Et quand on va arriver à la tour radio, il sera quand même beaucoup plus fort. Ça, c'est normal en même temps. Coughing. Alors, prochain, c'est... Cadabra. Enfin, Just Space. Just Space femelle, bien entendu. Just Space femelle. Alors, PCD. Voilà. Et là, normalement, il a voix corneille. Non, Raticate. Oh. Ah ouais, c'est au prochain alors qu'il a corneille. Ah là là, putain, ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais, la version or. Je crois que c'est la première version que j'ai faite. Non, j'ai eu la jaune d'abord. Moi, c'est dans la version or que j'ai eu mon tout premier Suicune. J'ai eu d'abord la version or, ensuite, J'avais eu la version de Saphir, parce que quand j'ai eu ma Game Boy, en fait, j'ai eu le jeu avec. J'avais eu version or, et ensuite, mon papa m'avait acheté la version de Saphir. Voilà. Le roux carnage, password dit El Giovanni. Giovanni. Bon, on va aller capturer notre électrode, ça te dit? Ouais, ça me dit bien. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est... Tant qu'on sait pas électrocuter. Pour changer, je vais mettre un petit peu de Geospace. Et Togetrui, il est quelle naturerie? Naïve, ok, d'accord. Ah, c'est bof. Ça monte la vitesse et ça baisse la défense spéciale, c'est de la connerie. Togetrui, Trui. Allez hop. Et là, normalement, il y aura le... Le boss qui va venir te faire chier aussi. Ninja. Ah ouais, regarde. Et c'est là qu'on va faire aider. Hop là, la Team Rocket. Et moi je vois Dragonite débarque, ouais. Land Center. Yeah. 2-on-2. Comme dans Resident Evil 5 avec Jill et Wesker. Ouh. Va falloir leur mettre une correction. Oh putain. T'as vu ça, la biatch? Aïe. Arbok. Et t'as vu, il a la classe.
Rien que pour le fun, je vais lui taper un bon psychique en pleine tronche. Boum. Bang. Allez hop. Coucou, je panier. Oh là là. J'ai cru entendre un bruit de chat, mais. Murkrow, ça c'est. Cornèbre. Alors, qu'est-ce qui peut monter plus vite? Oh putain, j'ai directement tapé ça. Faudra sortir l'aviator alors au prochain. Oh, l'aviator, je vais l'utiliser pendant au match de Rennes. Attention. Boum. Allez, what is T.O. Gloom. Ortide. Gloom. Allez hop. Gloom, je suis une tatou. Une plante carnivore cramée. N'empêche, elle avale trop, regarde, elle a un bout de bave sur sa lèvre. Donc toi t'es gentil, moi j'aurais pas dit de la bave. Mais c'est pour ça. En plus la dresseuse elle est pas mal foutue hein. Ouais, ils sont appliqués. Il va dire ouais, on va buter les électrodes. Mais on faut en capturer un. Ah ouais, d'office, moi à chaque fois dans une partie, j'ai toujours capturé un électrode. Je me sentais obligé. Moi j'adorais avoir sur la version ouais, c'était sur la version argent que j'ai monté un Tyrannosif niveau 100. Ce Tyrannosif, je l'ai eu aussi ça. Et il a la classe en plus. Ouais. Il a un sourire bizarre. Oh merde. C'est bon, j'ai réussi. J'avais fait une connerie. Alors bon, on va le capturer. Allez hop. Master 2. Un, deux, trois, et boum. J'ai plus beaucoup de Master Ball, je vais quand même faire gaffe. Si tu veux capturer tous les légendaires. Oh oh, Lucia. Les trois chiens si j'ai l'occasion. Oh les chiens quand même. Ça m'étonne. Si t'arrives à les trouver, franchement je gère. Ouais, parce que c'est quelque chose hein, ça. Sur les versions version diamant, j'y arriverai, mais là je sais pas si ça marche la technique. En fait. La version ouais, diamant. Sur la version diamant pour choper les Cresselier, il y a une technique. Des quoi? Sur la version diamant, il y a une technique pour choper Cresselier ouais. Plus facilement, ça s'appelle le Repel Trick. En même temps, Cresselier est facile à trouver. Vu que tu le libères toi-même et puis après tu le pourchasses. Comme Créfollet, mais lui par contre j'ai pas eu l'occasion de le jouer. Moi j'ai tellement joué Créfollet. Par contre. Mais Sprite. Par contre Cresselier, j'ai vraiment abusé. Allez hop. Moi j'aime pas tellement. Ah, Cresselier c'était l'éponge du diamant et Pearl. Après avec Platine il a un peu disparu. Parce qu'avec Platine, tu sais, il y a eu la réapparition de Latias et compagnie. Latias. La chiasse. La chiasse. Lui, j'ai pas mal joué aussi. Hein. Ouais. Norage. Norage. Je me rappelle même que t'étais l'un des premiers à l'avoir. Légit, je crois. Parce qu'il y en avait qui le jouaient. Tu l'avais hacké comme ouais. Tout le monde. Tous ceux qui ont joué CB, tu crois quand même pas qu'il y en avait un seul Légit. Hein. C'est lui. S'il passait dans le logiciel à l'époque, c'est forcément qu'on l'avait bidouillé un peu tout ça. Ouais. Allez hop. Et voilà. Moi c'est Sam, j'ai eu un Mew Legit, mais j'avais tellement recette. Et c'était super chiant parce qu'il était casse-couille dans l'espèce de truc aux herbes là, c'était vraiment merdant. Tu devais courir après. Bon bah ici on va faire un vrai carnage en fait. Alors moi je vais utiliser Cinder en premier et Gyarados en deuxième. Dommage que j'ai pas déjà un multi-ex. Alors je me rappelle plus vraiment comment ça se passe ici. Mais... galéré pour le faire. Tac. Non. Mais je sens qu'on va galérer là. Non, tu dois partir sur le bonhomme là. Snowboarder. Ah, ça c'est quand même les gars les plus stylés dans
Moi, je suis Nipple. Pas mort. Merde. Hop là. Otaria. Ah, il est quand même boss, lui. Ah, n'empêche, sur Pokébit, je me rappelle comment... Froggy, il avait carrément clashé Lamantine. C'était un truc mémorable. Il a dit quoi? Ah, mais t'as qu'à aller regarder sa fiche technique. Franchement, il l'avait clash, mais clash. Elle et Kadazo, putain, comment il les a pas loupés. Bon, je vais aller... Rien que pour le plaisir de nos viewers, je vais aller le... Je vais aller la lire pour vous, vous allez voir. C'était monumental quoi, sur Lamantine et sur Cadoiseau, il les a pas loupés, vraiment. Waouh, Lamantine obtient hydratation en DP, mais c'est génial. En plus de son combo avec Danse-Pied-Repos, trop cool. Bon, le problème est que ce Pokémon a des stats pourries, un mouvement pourri et un double type pourri. À part ça, il faudrait me dire comment un Otari peut évoluer en Lamantin. C'est vrai, c'est logique. Oh le troll complet, putain. Ce truc, t'apprends même pas Hydro-Cano pour tenter de compenser ses mirobolants 262 en attaque spéciale. Pour la stratégie, vous tentez de le placer sous la pluie afin de profiter d'hydratation et d'un double stable avec Surf. Bah, en gros, c'est énorme, quoi. Oui. Je cherche les phrases trop lentes, tu vois. Oh ma petite gueule, t'as vu mon Lamantine s'est réveillé tout de suite, t'as vu, c'est incroyable. Ouais, j'avoue, il est pas allé avec le bout de la cuillère. Tourniquet. Mais je crois qu'il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi qui l'a clashé comme ça, comme le... Bah oui, Cadoiseau, va te marrer sur le dessus, je crois que les gens vont vraiment rigoler. Cadoiseau, ouais. Avec la dame de Noël. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Cadoiseau, les mots me manquent. Ses stats de base aussi entre 45 et 65, avec un pic de 75 en vitesse. Ouais, ok, c'est bon, on s'en fiche. Son move pool est en parfaite harmonie avec ses statistiques par ailleurs. Il a pas tort. C'est pour vous dire à quel point ce Pokémon est puissant. Pas. En plus, c'est le premier Pokémon qui aide l'adversaire à gagner. Après tout, il est tout simplement le meilleur spinner du jeu. 50% sur piège de rock, et en plus, il peut rater son attaque avec agitation. Ça déchire pas. En bref, Cadoiseau est tout ce qu'il y a de plus pourri, et vous allez le découvrir par vous-même. Alors, elle est où la dame de Noël? La dame de Noël. Ah non, non, la dame de Noël elle a disparu. Ah oui, elle descend. Oh énorme. Oh le dessin. Oh merde. Non, franchement, faudrait que t'ailles te dire à tes abonnés d'aller le voir parce que c'est vraiment trop cool. Oh merde. Oh putain! Il a aussi trollé l'autre disque, mais. Ah non, il a pas cliqué sur le. Mais genre, Magikarp! Magikarp, c'était quand même. Ah oui, bah oui, Magikarp! Ah, le bon vieux Magikarp! Longtemps déchiré, lynché, massacré, électrocuté, bousillé, écrabouillé, martyrisé, tenaillé, écartelé, disséqué, bizuté, molesté, digéré, écharpé, démantibulé, humilié. Humilié, découpé en labels et réduit à l'état de sushi. Bref, Magikarp, Pokémon pas apprécié de vous tous, vient de remporter avec Platine une attaque qui va lui permettre de faire taire tous ces affreux détraqueurs qui ne savent pas reconnaître la puissance incarnée. En effet, rebond est la nouvelle attaque standard de Magikarp. Tremblez, pauvre mortel, devant les 85 de puissance de cette attaque époustouflante qui a de surcroît de 30% de chance de casiner une paralysie. D'accord. Alors, tout simplement ingérable. Est-ce qu'il y a des contres à Magikarp? Non, il y en a pas. N'importe quoi. Epic Flay. Good old Flaying Magikarp. Quand je vous disais que ce poisson était magique, il se mange un gros coup dans les nageoires et peut lancer dans la lancée une attaque à 200. Il est quand même balèze ce Magikarp.
Robon est là pour pas utiliser un Pokémon plus rapide qui voudrait switcher sur lui pour éviter le massacre. Il faut employer des moyens extrêmes pour éliminer ce monstre sans pitié. Un Pokémon avec vitesse extrême, par exemple. Alors, Trempette était l'ancien standard sur Magikarp. Bien que ce soit plus vraiment au goût du jour. Essayez-le si vous avez un... Putain, comment on fait encore pour ce truc? Je dis, c'est trop vite. Ah, voilà. Moi, je suis en train de tourner en rond comme un imbécile depuis tout à l'heure. Là... Oui, monte. Voilà. Non, je me prends de nouveau le même fail que tout à l'heure. Ah, peut-être là. Yeah! Allez, mes champions! Putain, j'ai perdu trop de temps avec cette connerie. Bon, désolé, 2 secondes, je bois vite un coup. Je prends mes petits anabolisants. Hein. Ah putain, dommage que je peux pas lui piquer son Pokémon. J'adore Ipoutou, je suis fan. Ipoutou, ça me rappelle quelque chose de Ipoutou avec Plénitude. Bah ça c'est mon Ipoutou, voilà. Ça. C'est mon Ipoutou. Avec un petit 6-0 contre DOU. N'empêche, je crois qu'il y a encore la vidéo, c'est quand même un massacre. Ah bah ça, à la limite, on a qu'à la foutre dans la description. Ah ouais, ouais. Après. Faudrait que je la retrouve. C'est vrai que le pauvre Satoshi, là, il avait morflé. Hein. Je vais le retrouver. Allez, on va starper le petit vieux, on va le renvoyer au hospice. Regardez-moi ça, Ali, ça c'est un swag. Alors... Je sais que je suis un peu con d'utiliser du feu contre de la flotte, mais bon. Mais qu'est-ce qui peut être con? Ah oui, ça, c'est comme toi, t'as pas encore vu l'épisode, toi. Contre la championne acier, je suis avec Typhlosion face à Steelix, je fais déflagration, je rate mon coup. Est-ce qu'elle ne trouve pas l'intelligence de faire Zénith? L'intelligence artificielle. Ah voilà. Eh hey, comment ça m'emmerder sérieusement. En train de soigner sa merde là. Tiens, elle crève. Ah, c'est dommage, j'ai la moitié de tes vidéos qui ont été supprimées sur Poké. Ouais. Ah bah je crois qu'on a perdu le sweep de... Ah, non. Non, non, elle est toujours dessus. J'ai trouvé. Chinardité contre... Satoshi. Contre Bendo. Ah, ce bon vieux Bendo, tu vois. Alors... Eh, hey, t'es mortel. Il a pris la volée de sa vie. Hein. Ah oui, largement. Team UU contre OUI. Il jouait. Ah oui. Oh, je le vois. Je vois qu'il commence à se placer. Après, tu lui as mis une misère pop aussi. Entrée de la grande légende. Bah, il a essayé de switcher sur Sarmina. Bim! C'est la glace. Chukichen. Ah oui. Et voilà, la grande légende a fait son entrée, est arrivée, elle a vaincu, elle est repartie. Non, bah, ça fait un peu con, en plus j'utilise un Léviator qui fait Hydro Pump, mais bon. C'est quand même toujours le plaisir, quoi. En plus, ce Pokémon il peut apprendre Déflagration, donc c'est un truc polyvalent. Ah, mais en fait, tu comprends que tu l'as mis 6-0, tu l'avais axé, tu l'avais gelé sur Ronflex. Je suis en train de voir la vidéo là. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, moi je fais que des UU, il me sort quasiment que des OU, donc je me suis vengé. Tu l'as éclaté. Et je l'ai axé. Allez, boum, bon, blague. Chine le Axor. Allez, c'est maintenant que la Team Rocket est venue faire chier à la radio. Bah tu sais quoi, on va aller se les farcir. Ah bah ouais, j'en ai. Merde, j'ai pas mon truc avec. Ah, mort.
J'ai pas mon tabalouga. Tabalouga. Tu vas le prendre. T'es quand même un con d'avoir été mettre un truc ah bah, pareil. C'est tabalouga quoi. J'avais rien, je pensais un dragon. Qu'est-ce que Copy Clipper le fout là lui? Bah, c'est le Pokémon que. Parce qu'il y a pas siphon en fait dans la truc. Donc c'est le Pokémon qui te donne pour passer les siphons. Comme perle. Impish. Oh malin, c'est une bonne mesure. Mais je l'ai reçu en fait. Bah alors, et voilà, en fait, t'as. Ah putain, c'est comme ça qu'on faisait. Trou du cul que je suis, moi, en fait, la dernière fois que j'avais fait la partie, j'étais. J'avais foutu en l'air ma partie en essayant de mettre des codes pour avoir la CS siphon parce que je ne la trouvais pas. C'est un peu, tu peux l'avoir que comme ça. Putain, il fallait savoir. Mmh. Et t'imagines, tu vas relâcher le coquille perle. Non, non, non. En fait, c'est comme ça que j'ai fait la première fois, j'arrivais pas à passer les siphons et là, je me dis, mais en fait, tu peux pas l'avoir. Et du coup, bah, j'ai été obligé de prendre le coquille perle. C'est quoi en fait encore? Radio voilà. Tower. Golden Road. C'est là-bas qu'il faut aller. Pour aller les conquérir. La Team Rocket. Ah, ça va être long et chiant à faire, non, je non, préviens. Là, ça va être affreux. Ah, attends. Allez hop. Allez, ça commence déjà. Cinder. Oh. Allez, on va cramer du petit remusqué. En plus, il a vraiment la même tronche que toi. Raticat. Ça me fait penser à un bête dans un dessin animé. Ah lui il faut que je l'appelle Alex. Ah le lâcher, il danse. Alex Kid. Alex Kid. Merde. Ah ça va. Merde fils de pute, tu m'as axé. Wouah. Simulaire pour s'installe. The Widow Faint Attack, je sais plus quoi ce que c'est donc je m'en fous. Hop. Alex Kidd. N'empêche, il avait fait une chanson tellement pourrie, ce gars. Pouh, ça c'est un moment qui m'emmerde quand même. Hein. C'est le plus. Bon bah lui c'est on va faire de la. Ta gueule, c'est vas-y. C'est le plus chiant. C'est la plus chiante partie dans Pokémon. La tour radio. Merde, il m'a axé. Ah, loupé Fire Blast. Il a essayé de. Mais merde, nom de Dieu. Il a essayé de cracher un glaire. Voilà, paralysé. Intimidation. Alors que normalement il aurait dû finir en sushi cramé. Ah quand même. Heureusement que j'ai un anti-paradis. Alors juste par mesure de précaution, Jospace va prendre la relève. Ninja. Et c'est là que bien entendu je vais foutre un Alakazam, enfin un Kadabra qui n'a que des attaques psy et je vais tomber sur un Démolos hein. Balouf. Le Big Boss, je crois qu'il a un Démolos. Ouais. Il a besoin de prendre sa PC, quoi. Si. Zubat. Toujours les ailes. Nosferatu. Toujours. Alex Kidd. Yeah. Alex. Ah, je vais t'appeler Alex Rider. Le Rider. Le rider qui n'ose pas monter sur une planche de skate parce qu'il risque de tomber. Ah non, je monte dessus. Hein. Y'a pas de problème, c'est juste que je suis en fait. Je monte. A mon avis, tu fais pas ce que je ah fais non, moi. Bah non, ça c'est sûr. Sur les filles. Attends, t'en revenais pas la dernière fois que t'as vu ah la non, vidéo. Non. Hein. En plus, c'est sympa le skate. Hein. Avec les backflips et tout ça. Backflip, t'es fou toi quoi. Backflip, tapette.
Ah putain. Grimer. Encore un qui te ressemble. Route. Mais non. T'es mort. Non. C'est quoi ça? Par 4 morts. Oh là là. Et n'empêche, t'as vu la tchoule de Calabra? Oh. T'as vu la tchoule qu'il a derrière lui là, le Calabra? Dommage qu'il sait pas s'en servir. Ouais, malheureusement. C'est comme Mewtwo, t'as vu la queue qu'il a? J'avoue. Muck. Ouais, la grosse tête mort. La version évoluée d'Alex quand il sera adulte. Non, quand même pas. On sait tous que je m'appellerai Onflex. Et après tout, monsieur fait du judo et on sait que l'attaque préférée de Grotan Morph dans la lime, c'est plaquage. Hein. Ah non, au judo, il n'y a pas de plaquage. Il n'y a pas de plaquage au judo. Bon, quand tu maîtrises quelqu'un par terre, c'est un peu tout comme. Ah, ça s'appelle une immobilisation, c'est pas un plaquage. Ah bah, c'est une immobilisation plaquage, mec. Ça me rappelle comme dans le dessin, arrivé de la tu sais, quand Grotan Morph lui laissait de battre le torton. Le futur bébé d'Alex. Non mais Gloopty. Gloopty n'importe quoi. Et le pire c'est que j'avais utilisé Avaltoo, donc je sais plus comment il s'appelle en anglais. Je l'avais fait en EV, donc pour les versions. Oh putain, sur les fights never used et underused, je l'avais appelé sac à merde. Sac à merde. Et je l'avais fait en shiny. Il était trop beau en bleu. Sac à merde. Et le pire, c'est que je l'ai utilisé et il était violent, hein. Avec stockage. Pas vrai, ça. Sac à merde. Là, je suis obligé de me faire sur les deux, fais chier. Sac à merde. Weezing. Les frères si à moi. Il est vraiment trop moche, mais si. Oh, quel con je suis, putain! Ça fait quoi? Oh, il a pété les portes! J'appuie trop vite! Attention, psy-bim! Et au tapis! Ouga bouga! Ouga bouga! Après tout, j'ai bien un drata qui s'appelle Tabaluga. Il s'appelle Tabaluga. Octopussy. Octopussy, ça c'était mon Tentacruel et mon Octillery. Mmh. Octillery, il était chiant comme la lune. Attends, c'était sous distorsion qu'il était monstrueux. Et en plus, il était vachement versatile, c'est ce connard. Il pouvait apprendre les attaques feu, il pouvait apprendre ouais, cage éclair. Putain, j'ai encore appuyé pour rien. Misclic. Misclic, un putain de merde. Deux fois téléport en deux combats. Allez, un peu autour de Thunder. Il a vraiment tête de cul aussi, c'est lui. Zubat. Un peu chier, un moche aussi, Zubat. C'est quoi? Je comprends même pas, c'est quoi ce truc? Alors, qui va m'envoyer maintenant? Grimer! Alex Kidd! Merci quoi, c'est attention. Je sais pas ce que j'ai. On dirait qu'il est content, tu vois, il est là. J'ai une tête d'abruti, je suis content. N'empêche. Et je viens de me faire étaler par un espèce de con à moustache. N'empêche, le dessin animé le plus marrant du monde, c'est quoi? Enfin, tu trouves que le dessin animé le plus marrant du monde, c'est quoi, toi? Je sais plus. Nicky Larson, obligé. Nicky Larson, bah ça, c'est un culte ça. C'est comme Tortue Génial quand il est sur des magazines de cul, tu vois, il est là. À chaque fois il saigne du nez comme un gros cochon. Tortue Génial. Mais y'a quoi? C'est du Widoo. Un dessin animé qui m'a vraiment fait rire toute ma vie, c'est Odile les Cathares. Je sais pas si tu connais, mais ça. Quand j'étais petit, je regardais ça, mais je me roulais par terre.
Mais toi, pour te faire marrer, il Ah faut non, pas mais grand-chose. même là, si je regarde, c'est trop. Putain. À chaque fois que t'entends la musique, t'as l'impression que ça va être un grand combat. Ninja. Porygon! Oh, ça, j'adore ce Poké. Quand je me rappelle, au casino, il coûtait super cher. 999 999. Et pour Oui. Igon Z, il était devenu arrivé. Hein? Voilà. Non, je sais, je suis en train de checker les trucs du brevet là. Ah, voilà. Ça fait déjà longtemps qu'on joue en fait. Ouais. On va essayer de terminer au moins la tour avant d'arrêter l'épisode. C'est ensuite Yves Riche, mais pourtant il a pas l'air très. Ah bon, c'est pas grave. Et voilà le faux. I'm an imposter. Down. Ta-na-na-na-na-na-na. Allez, go Just Space! Attaque vague d'abonnés. Évidemment, je me prends avant. Non, c'est pas grave. Alors, encore un coffing. Et je crois qu'il y a... Oh putain, il en a plein. Ninja. Ta gueule, tu m'as mis avant. J'ai fait ninja. C'est que je cherche les résultats de mon brevet, je te dis, mais ça. Elle ne veut pas le mettre. Ouais, de toute façon, c'est pas un secret de Non, recaler, hein. non, non, non. Ça ne peut pas être recalé. T'as trop joué à Pokémon? J'ai trop joué. Alex, le geek de Dofus, Yu-Gi-Oh, Pokémon. De tout. Et je sais plus quoi d'autre. Même de la veuve poignée. C'est quoi ça? Quoi? Mon Dieu. Il faut tout leur apprendre à ces gosses. Allez. Donc c'est pas lui qui avait un... le Demolos. Demolition Boy. N'empêche, Joss, à chaque fois qu'il débarque, il fait un carton, hein. Ah non, mais c'est le big boss, quoi. En plus jamais, ils sont toujours dociles, tu leur pètes la gueule et puis après ils te donnent tout ce qu'il faut, la clé. À la limite, ils te donneraient même la clé de leur coffre-fort. Oh putain, comment je vais devoir attendre longtemps pour arriver jusque là. Héroudoudou, tu me chantes une chanson? Doudou. Non, en fait j'ai pas envie de dormir maintenant. Jigglypuff. Et ici, il y a logiquement il y a une tombola où on peut gagner une Master Ball, si je me rappelle bien. Personnellement, j'ai jamais gagné. Oh putain. Tac 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 tac. Je me rappelle que celui-là va être utile après la Ligue Pokémon. Attention. Maintenant, il va falloir aller dans les souterrains. Et là, ça va être le moment le plus chiant de Pokémon. Alors on va essayer d'abréger un maximum. Oh putain, Pokémaniaque. Oh, mais il a que des rameaux. Il a surtout des ramolis du gland. On va aussi devoir battre le rival après. Donald Duck. Donald. Ramolou. Putain, moi j'aurais honte à ta place. Pourquoi? Me balancer un Pokémon level 10. Et il va niveau 40 aussi. Pour vraiment que ce soit vraiment bien 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 respecté, faudrait que mon Jaspace là il soit au niveau 25 000, hein. Ah mais. Ah oui, vrai. Niveau 25. 25K. Enfin, connaissant Joss, à mon avis, dès que la vidéo va sortir, il sera déjà à 30 000 quand même. Bon. 30 000 abonnés. C'est quand même cool ce qu'il vit, hein. Bah, moi, 30 000 je kifferais voir la même chose. abonnés, mais c'est énorme. Bon.
Eh? C'est quoi ça? Non. My fucking god, c'est quoi ce délire? Genre. Oh, j'y crois pas! Non. Eh, c'est quoi ce bug? Quand je te dis mon Jospé, c'est un champion. Énorme. What the fuck, j'y crois pas. Oh putain, dis. Là, t'as un coup de pied. Ah là, j'ai bon. Je pensais pas ça possible. Oh la classe, dis. Moi qui disais justement que j'avais pas envie de faire une partie sans la Kazam. Voilà. Oh putain, merde alors, dis. Ah, j'ai bon, j'ai vraiment bon là. Tabaluga. Crise de pute, Jara. Dragon Rush, ça devrait être suffisant. C'est la classe comme se balader avec un shiny comme ça. Surtout le Léviator. Drazak en vert, il est quand même vieux. Très laid. Un de mes shiny préférés, moi, c'est Rayquaza. Rayquaza noir. Putain. J'adore. Si franchement. Tu l'avais en carte, putain, c'était. Mais je l'ai en carte, moi, Rayquaza X. Ah, t'as le Talitaire. Faudrait. J'en ai quelques-unes, moi. Je t'ai déjà montré, crétin, t'as déjà oublié. Ouais, mais je crois que je l'ai pas vu, là. Ouais, oui, tu m'avais déjà montré tes cartes. Avec mon Latios X et tout. Ouais. Oh putain, il commence à me casser les couilles, lui, sérieusement. Il va faire chier avec son Ténéfix. Ah non, dans la version X qu'il a Ténéfix à la place de Ectoplasma. Ténéfix, dire que je l'ai utilisé, celui-là il est trop marrant. Ténéfix, c'est une blague. Il est trop drôle à jouer. Voilà. Goldback. À Lucard. Ah mais maintenant que je suis en Alakazam, vous pouvez plus rien faire, je vais tous vous démonter. Hunter, tu vois comment je vais dépuster bien comme il faut. Une bonne correction. Ça c'est le Tarakli du siècle. Ferraligator. Et Tender va monter de niveau aussi. Oh! Oh, regarde-moi ça, on dirait qu'ils ont constipé. Oui, j'ai vu une jolie fille! Comme ça. Tiens, bouffe! Et il a, en plus, t'avais la grosse pensée qui se paye. C'est vrai ça, en plus, il a du vide. C'est un petit Alex! Non, là, c'est un alligator. Un alligator. Alligator. Et hop, la Thunder monte. Magnémite. N'empêche, désolé de t'en mettre autant plein la gueule, mais au moins comme ça, ça met un peu l'ambiance. C'est la fête, la fête. On va pouvoir danser des claquettes. Non, parce que dans mon projet, dans mon idée, c'est pour clôturer ce Let's Play-ci, c'est au moins finir la ligue. Faire celle de dans tout faire tout dans Kanto et capturer les légendaires. Tu peux tout faire dans Kanto, je crois. Non, je crois pas que tu puisses faire. Alors, faut que je regarde. Faut que je regarde si c'est possible de faire tout dans Shinobi. Il me semble que oui quand même. Mais... Et alors terminer avec le dernier combat. Enfin, pour clôturer le combat, ce serait le truc, ce serait aller à la rencontre de Red dans le mont Silver. Là. Je crois qu'après avoir capturé tous les légendaires, ça pourrait être pas mal. Monter tous les légendaires à un bon gros niveau et aller combattre ce con-là.
Si je me rappelle bien, il faudrait que je prenne un bon gros Poké Combat parce que il a un gros réflexe niveau 70, si je me rappelle bien. 70 plutôt. Pikachu niveau 80. Pika Uber! Je cherche quelque chose. Non, je crois que c'est un bon principe hein, pour finir l'espoir en Ouais, beauté. ce sera même très bien. Alors. Putain, je vais faire une partie d'une heure si je continue. Oh bah. Ça ne fera pas de balle. Allez hop. Mais là, je crois même que ça fait une heure. Ah non, ça fait 40 minutes, je crois. Boum. Nuke. Encore lui. Ça, tant mieux. Je vais être obligé de passer au centre Pokémon avant de réattaquer parce que sinon je vais trop à court. Ah, et j'ai. Et si je vois comme. Et si je vois mon GSP commence à faire lutte, ça va me faire mal. J'ai une remarque aussi pour toi qui est pas dans le site que je vais te donner là. Quoi Pokémon donc? H. C'est quoi ça? Tu connais pas? Non. Bah, je t'enverrai un lien. C'est toute l'histoire de Sacha comme dans le dessin animé. Mais exactement pareil. Ah Ouais. bon. Les... Donc il pique une bicyclette, il la pète et il se fait Ouais, défoncer la c'est gueule après. ça. C'est ça, toutes les cinématiques comme dans le dessin animé. Bon. L'alligator qui vient de Ninja Loratata. Trash. Allez, boum, mania, couchez. Coucou, je panier. Là, tu vas essayer de... Faut que tu ailles sur les interrupteurs là. Et là tu vas, c'est parti pour le casse-tête. Ah oui, je me rappelle de ce casse-tête là. Moi, non mais moi tu vois j'avais pas envie de me casser les pieds, j'ai utilisé code pour traverser les murs. Parce que franchement À l'époque, ça m'éclatait de faire ça. moi Hein. c'était ah ça va. Alors Bon, je vais quand même aller chercher le truc. Ninja Leftover. Ah bon, regarde sa tête. Quelle tronche. Broly. Quel loup. Canipute. Le meilleur ami de James. Oh putain, n'empêche, c'est vrai que ça fait quand même déjà longtemps qu'on joue là. Un truc de fou. Gradubid. Burglar. J'ai failli lire Burger. Non, regarde, ça serait pas été sympa. Ah, voilà. Notre cher Alex. Le ninja. Là, tu vois, j'ai une vidéo là. Le ninja de 300 kilos. Je suis en train de voir. Je suis un peu. En fait, je suis un peu un shoji dans la route. Tu vois. Oh là là. Pikachu et l'eau. Smoke ball, balle fumée, ça c'est chouette ça. Pour fuir les combats. Les casse-pipe. Ça va être me faire chier par contre, je le sens. Ah non mais là tu... Kawabanga! Kawa... Ça c'est les tortues ninja ça putain. Kawabunga. Tabaluga! En fait c'est un dessin animé que j'adorais quand j'étais petit ça. Bah ouais, mais Tabaluga ça aurait été bien si ça avait été un Libégon, un couillon. Ouah. Toi t'as été insulté un Dratak, tu mérites la mort pour ça. J'ai te flagellé. Mais j'aurais dû l'appeler comment? Comment Je il sais pas s'appelait moi. ça déjà? Tria Voilà. Matria. En plus, un moment, je crois, t'étais trop dans la merde, et là, t'envoies Dratak, tu places une danse Draco, tu lui éclates sa tête.
Bah c'est à chaque fois comme ça que je faisais. Parce que tu jouais, tu... Je me rappelle qu'avec cette team, tu jouais deux Drago Dancer. Ouais. À chaque fois... Léviator et lui. À chaque fois... Je pense qu'il devait penser que c'était bah, le... Ouais, le bah, mix. C'est à chaque fois comme non, ça que je gagnais. C'est ça, je devais penser que c'était le mix. Et finalement, bah il se faisait troller parce que c'était... Super rapide. C'est pas possible ça. Faut plus sur premier avant. Oui. Merde, nom de Dieu. C'est ça. Là, ça va être l'énorme blague. Pac. Mais on va poker, quoi. Merde, j'ai appuyé deux fois dessus ou quoi? Oh. Là par contre, ça va être... Ah! Je crois que c'est bon. Ah, max potion et. Olé! My fucking god! Et voilà, c'est bon, c'est le premier. Burglar Duncan. Voilà, il va encore se faire exploser. Pour pas changer. J'ai vu ça la première fois. T'étais pas le seul. Magmar. T'as l'impression qu'il a fumé un bon paquet de shit. Hein. Voilà. Tu sais pas regarder une fois depuis combien de temps on est en Skype par hasard? 1h09. Bon, on va s'arrêter ici pour cet épisode-ci. On continuera dans le prochain parce que sinon ça va devenir trop long. Voilà, merci de regarder. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on avait lâché assez de conneries à votre goût. Et merci de regarder. Ciao à tous pour le prochain épisode.